situation pendant le week-end là, au niveau de la prison civile de Port-au-Prince, ici devant le pénitentiaire international. Côté que tu as une tentative d'évasion, tu as gagné un prisonnier qui t'a allé une arme sur un policier. Heureusement, le policier n'est pas victime. Automatiquement, la police, au commandement, est venu au courant, il a dépêché une équipe et une unité spécialisée PNH là pour que tu es allé et prendre le contrôle extérieur et bâtiment. N'a noté gagné deux pistolets de calibre 9 mm. Un revolver de calibre 38, 24 téléphones ensemble matériel que n'a gardé là justement, c'est du matériel que nous prend en dans prison dans cellule prisonnière. Gagné 33 cartes SIM, 101 petit paquet marijuana, un gros paquet marijuana, 124 pics, 37 couteaux, 5 manchettes. Et puis, boîte ça, il y a une quantité de fiches et de transferts qui arrivent à joindre les prisonniers en prison. Pour le moment, l'enquête n'a pas approfondie au niveau de la police judiciaire pour que nous enquêtions, pour nous connaître exactement qui est à la base de tentative d'évasion. Hein. Également tout pour probablement interpréter de monde qui, justement, a une responsabilité dans ça. Au niveau centre de détention, il a toujours pour faire des fouilles et ceci à n'importe quelle heure. Et si effectivement les fouilles sont faites, n'a pas éviter justement pour plus et matériel qui interdit d'entrer en dans prison. Mais généralement, toute prison à travers le monde et prisonniers ont toujours fait tout moyen pour que des bails viennent joindre. Mais c'est certain que mesure qui prend, il y a renforcé ce système là et par et plus policiers. Et vigilance dans tout est très important pour des bagages arriver jeune prisonnier. Par exemple, on prend trois armes à saisir là, ils représentent un danger pour la vie prisonnier et pour les policiers qui en surveillance tantôt. Et ça que nous dit que enquête là, li au niveau de police judiciaire pour enquêter, pour fixer responsabilité et dès que il y a évolution dans enquête ça, la presse a beaucoup.